Salut tout le monde, on se retrouve pour un vlog aujourd'hui parce que j'ai un tournage. Donc mon char est rempli. Fait qu'on s'en va à Montréal. Fait qu'on est arrivé, fait que je vais aller essayer de trouver mon collègue pour pouvoir commencer la journée. Hello! Ouais, toi? Ouais. C'est magnifique ici, tu penses? Ouais, c'est fucking beau. Pourquoi tu mets la cravate? Parce que je m'habille propre. Je m'habille propre pour un contrat. Ça va, avec c'est Danilo, celui que je travaille avec. Bonjour, ça va bien, c'est qui ça? Ah, ma chaîne YouTube. Salut. Je tourne un petit vlog. Salut YouTube, ça va bien? Ça va. Ah, c'est quand même beau là. C'est magnifique cet endroit. Le char il est plein par exemple là. Ouais, j'imagine. C'est magnifique cet endroit, ça je te disais là. C'est magnifique. Avec cette petite caméra là, je fais mes vlogs. Ah ouais? Que je te parlais pour acheter pour les corales. Ah oui, wow. Check ça, gang. Ça, c'est le lac Saint-Louis à Dorval. C'est pas le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment le lac Saint-Louis. Lac de Montagne, c'est de l'autre côté, ça se rejoint. On s'en va vers le bout de l'île qui est Sainte-Anne-de-Bellevue. Ici, c'est Dorval. On attend d'ailleurs un avion. Il y a un corridor de l'aéroport ici. C'est juste magnifique. C'est à 15-20 minutes du centre-ville de Montréal. Regardez! Regardez ça! Moi, je viens ici l'été, l'automne, peu importe, mais surtout l'été, je viens ici m'entraîner, faire du kung-fu. Sur le bord ici, puis quand j'ai fini tous mes exercices, je plonge dans l'eau. Faut juste avoir des aquashoes parce qu'il y a de la roche, mais sinon, c'est juste merveilleux. À 15-20 minutes, du centre-ville de Montréal. C'est quand même magnifique, n'est-ce pas? Tu sais, tu vois la bâtisse, ok, fine, tu sais, comme, elle est belle, mais elle est juste plate, là, tu sais. Puis là, ta vue, là. En arrière, t'as le lac. En tout cas, je sais pas comment tu vois ça, toi, là. C'est toi qui contrôle le drone, c'est toi qui sais, là. Mais moi, je voyais un peu ça. Ben, c'est sûr qu'on pourrait partir le drone vers la façade ici, puis monter vers le lac. C'est exact, là, tu sais. Je me disais quelque chose, de partir comme d'ici. Peut-être bouger, tu bouges dans ta voiture. Fait que, mettons, on le part ici, vu que c'est l'entrée principale. Tu pars ça, c'est une belle Même le drone, si je le pars en arrière dans mon char, on va voir tout. Ouais, voir, mais... il est à grand angle. Ok, mais c'est ça, tu verrais la bâtisse. Ouais, je verrais la bâtisse. C'est comme la vision qu'on a. Puis là, ben nous, on peut pas se lever. Fait que. Mais lui, il va se lever, puis là. Ben je vais essayer de le mettre dans l'angle un petit peu parce que sinon, on va voir la maison en arrière. Là. Ok. Fait que pour voir vraiment qu'il y a rien. Puis là, on voit le bâtiment. Chut, puis là, tu vois le magnifique lac derrière. Ça pourrait être une super vue. Fait que le drone, on peut pas faire voler, on est dans la zone de l'aéroport. On peut pas le faire voler. La zone est quand même assez large. Ça va jusqu'à l'aréna. C'est foutu l'aréna d'Orval de l'autre côté? Là-bas. Puis là-bas, ok. En tout cas, c'est assez large. Ça, c'est là. Pas grave. Sarah, je te présente Antoine. Allô? Antoine, c'est Zara, vous êtes peut-être rencontrés. Ouais, vois-tu ça. Vous êtes peut-être un peu rencontrés. Ça, là, je vous recommande de mettre ça. OK. Parce que ça, là, moi, j'ai fait Il va avoir chaud. C'est impossible. Ça, tu peux respirer puis vivre avec ça d'en face pendant une journée de temps. Moi, j'ai travaillé avec ça toute la journée. OK, t'es extrêmement brave. Mais on les fournit. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Parce que moi, on a monté l'expo là, cette semaine, puis j'étais comme, OK, non. Ben, de toute façon, maintenant, à la ville, ils nous obligent à porter ceux-là qui sont accrédités. Chanté, on s'était vu super vite à la chapelle, Notre-Dame de machin. Notre-Dame de Grâce, je pense. Non, bon secours. Bon secours. Ça, c'était bon pasteur. Ouais, bon pasteur. Bon pasteur. T'as raison, parce que bon secours, c'est. C'est l'autre, là. C'est au marché, bon secours. Si vous voulez, vous pouvez accrocher vos manteaux ou si vous n'avez pas, c'est pas grave. Bon, de toute façon, il faut retourner à l'extérieur aller chercher. C'est vrai. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? On va aller voir la salle. OK. Le salon, vous n'avez pas vu. Comme ça. Ah, c'est beau, ça. Bon, ben, on est fermé jusqu'au 11 janvier. Là, que vous voyez là. Au foyer. Feu de foyer. Ça fait Noël, ça fait. Ça fait beau, tu sais, ça fait chaleureux. Tu nous présentes ses jouets. Le Père Noël, il descend là. Tu poses les jouets, tu descends là, tout. Parce que là-bas, c'est beau. C'est super beau. Mais il n'y a pas rien d'accrocheur. Mais il arrive, c'est ça, t'as juste les vignettes. Mais alors qu'ici, t'as le feu de foyer.
Fait que ça, ça flatte. Okay. Fait que mettons, ça, tout ça, on peut le déplacer. Oui, c'est sur vous. On peut faire du cake. Tout est mobile ici. C'est hot. Même, je te dirais, là, le cheval, là, il pourrait peut-être être en... Dans le coin. En background. Dans le coin. Ça pourrait être ça, parce que de face comme ça... ouais, de face. Ouais. Ça donne quoi? Ça donne... Ouais, ça donne ça. Puis d'angle, ça donne quoi? Cet angle-là. Tournage du premier bloc, il en reste 5. Puis là, on place pour le deuxième bloc. Attends, tout s'est joué. Ça, c'est une compagnie qui a fabriqué des jouets pendant 3 ans. Puis on s'en va manger, puis après ça, on va retourner pour le deuxième bloc. C'est tous des jouets datant de 1900. Ouais, 1920, ça là, ça va être après. C'est fou. C'est complètement fou. Là, la date, on a du besoin présentement. On est tout en train de placer du stock pour la prochaine capsule. Fait que on attend pour le deuxième bloc. On a fini de manger. Faut mettre de quoi de trop lourd parce qu'elle est magasinée. C'est la boîte originale puis ça se voit pas là. C'est rare comme. Faut pas mettre rien dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Ah, on est arrivé, là. Hey, what's up? On travaille fort avec nos masques. Il reste 2 capsules à filmer. Puis les plans... Une capsule? Ben, on arrive à la dernière, 60. Oh! C'est 5. Ah, c'est 5 finalement. C'est 5. Ben, je suis pas au courant. C'est 5 finalement. C'est 5. Mais en tout cas, on verra. Faire 5 après ça, les plans des trucs qui nous restent. Ça, c'est la dernière. C'est ça. La dernière période. Parce que diviser ça, une, diviser la première en deux, parce que ça serait 2 semaines, un peu 889. Tournage des capsules terminées? Oui, pas encore. On n'est pas encore tout à fait terminé. Il faut faire tous les plans serrés avec l'éclairage et faire fonctionner les jouets, qui, je ne veux pas dire vieux jouets, mais disons de collection. C'est assez magnifique. Donc, il nous reste encore un petit peu. Mais on est terminé. En gros, les 5 blocs principaux sont terminés. Il reste juste les inserts. En gros. En très gros. Yeah. Les rentrées faisaient clair. Il fait soir. Il reste encore tout le démontage. Les trucs pour que tu fasses fonctionner, peut-être que tu peux les mettre à part. Le tournage est presque terminé. J'ai plus besoin de tout mon équipement. Ce que je fais, c'est que je suis en train de tout ranger puis de checker avec ma liste que j'ai sur mon téléphone, savoir si tout ce que j'ai besoin est bien dans mes sacs. Donc, tout c'est ici, on n'en a plus besoin pour le moment. Fait que je suis en train de ranger ça au fur et à mesure. Ah, hein.
Ben c'est lui qui sait son ordre. Fait que, peut-être que les deux premiers sacs qui sont sur le bord, les deux en long. Ouais. Est-ce que c'est lui qui fait du Tetris dans son char? Fait que... Correct. Fin de la journée, Daniel. Ah, on va crever. On va aller prendre une bière. Puis, ben, chacun chez soi. Je vais aller prendre une bière puis regarder la télé. Regarder une série. On est relaxé parce que demain, on est dans le montage. Ouais, demain, montage. Mais ça, vous le verrez pas. Mais bon, on s'en va tout porter le stock dans le char. Fin du tournage. J'ai rempli mon char encore une fois. Vous voyez pas trop, mais c'est pas grave. Fait qu'on a commencé à 8h le tournage. Il est rendu 7h15. Donc 19h15. Puis on vient de finir le tournage. Et demain, faut faire le montage parce qu'il faut remettre ça dans environ 2 semaines. Ouais. Fait qu'on a du montage en tabarouette. On a beaucoup de montage à faire, mais ça devrait être quand même pas pire. Donc... C'était tout pour cette semaine, c'était un petit vlog, donc si vous aimez ce genre de contenu, laissez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour me montrer votre soutien. On se retrouve vendredi prochain à 17h17 pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine, merci, c'était Antoine Harvey.